Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une comédie française qui est sortie en 1990 de Étienne Chatiez avec une grand-mère très très méchante à l'intérieur. Et ce film est Tati Daniel. Donc, c'est parti. Urgent, recherche personne sérieuse, trois premières semaines de juillet pour garder dame âgée, référence exigée. Après, la vie est un long fleuve tranquille. Voici Tati Daniel, le nouveau film d'Étienne Chatiliez. Tati Daniel, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Sortie le 4 avril. Si je veux. Tati Daniel est un film réalisé en 1990 par Étienne Chatiliez. On retrouve dans les rôles principaux Tilia Shelton, Isabelle Nanty et Catherine Jacob. Tati Daniel, donc, est un film réalisé par Étienne Chatiliez, un très bon réalisateur français de comédie. Grâce à lui, on a eu des très bonnes comédies auparavant. Il nous avait réalisé, par exemple, La vie est un long fleuve tranquille, Le bonheur est dans le pré, et des années plus tard, Tanguy. Donc, vous voyez, c'est un réalisateur quand même assez talentueux, même si je ne suis pas un grand amateur de la filmo de Étienne Chatiliez. Mais en 90, Étienne Chatiliez donc, nous réalise Tati Daniel, et c'est une comédie que j'adore. Je l'ai vue un nombre incalculable de fois parce que tout simplement, Étienne Chatiliez dans son film, il gratifie son film dans le rôle principal par une grand-mère qui est vraiment diabolique, méchante comme pas souhait, et c'est franchement jubilatoire. Donc le film raconte l'histoire de Tati Daniel, une grand-mère de 80 ans qui vit tranquillement dans sa maison de campagne. Elle est aidée par une aide ménagère. C'est une grand-mère qui n'aime absolument personne, à part peut-être son chien et un cadre de son mari qui est accroché au mur. Mais à part ça, elle n'aime absolument personne. C'est vraiment quelqu'un de exécrable. Et un jour, Tati Daniel décide de jouer un mauvais tour à son aide ménagère. Elle lui demande de nettoyer son lustre. La grand-mère monte sur un escabeau, commence à nettoyer le lustre et la dame tombe et meurt sur le coup. Tati Daniel n'en a rien à faire. Et les enfants décident, enfin ses petits-enfants plutôt, décident de la faire emménager chez eux parce qu'elle est toute seule. Et Tati Daniel va décider de leur faire voir des vertes et des pas mûres. Voilà l'histoire très simple de Tati Daniel, mais c'est une comédie que j'adore. Une comédie sarcastique comme je les aime. Étienne Chatiliez nous réalise une très très bonne comédie avec de très très bonnes punchlines, de très très bons gags. En termes du casting, on retrouve Tilia Shelton dans le rôle de Tati Daniel. Elle est tout bonnement époustouflante dans la peau de cette grand-mère. Et pourtant, à l'époque, l'actrice avait une soixantaine d'années et elle devait jouer le rôle d'une grand-mère de 80 ans. Donc, elle est très, très bien grimée. Mais Tilia Shelton la joue tellement bien qu'on l'adore la détester, cette grand-mère vraiment immonde. Parce que pendant tout le long du film, elle passe son temps à s'en prendre à toutes les personnes qui l'aiment, dont ses petits-enfants. Tout au début du film, donc, elle s'en prend à cette pauvre aide ménagère qui n'était là que pour l'aider et donc qu'elle finit par tuer. Donc c'est une grand-mère qui est vraiment détestable et l'actrice le joue tellement bien. Je crois même qu'à l'époque, et je ne sais pas si je dis des bêtises, mais je crois qu'elle était nominée au César en tant que meilleure actrice dans ce rôle. Et franchement, elle le mérite vraiment très très bien. En face d'elle, on retrouve Isabelle Nanty qui joue le rôle d'une nurse qui va, elle, pour le coup, ne pas se laisser faire par Tati Daniel parce que au bout d'un moment dans le film, les petits-enfants ont tellement ras-le-bol de cette grand-mère qui leur fait voir des vertes et des pas mûres que les enfants décident de partir en vacances en Grèce et les petits-enfants vont faire appel à une dame pour la garder, donc qui est jouée par
Isabelle Nanty, donc une nurse, et en fait Tati Daniel va rencontrer son homologue, enfin son rival, et elle va avoir un retour de bâton par cette personne qui est beaucoup plus jeune, et Tati Daniel va être punie par toute la méchanceté qu'elle a pu faire auparavant. Donc Isabelle Nanty joue cette nurse qui va régler les comptes à Tati Daniel. Elle le joue vraiment très très bien. En face d'elle, on retrouve Catherine Jacob qui joue le rôle de la petite fille, là pour le coup, qui va être aux petits soins de Tati Daniel. Donc Tati Daniel va aimer rendre malheureuse sa petite fille, donc jouée par Catherine Jacob, qui joue vraiment très très bien. Donc on a vraiment un casting 3 étoiles, mais c'est vraiment une comédie qui est vraiment jubilatoire, sarcastique. Voilà, on rigole un petit peu jaune, mais comme je vous disais en début de vidéo, on adore détester cette grand-mère. Alors au début du film, on la trouve odieuse, on se dit mais c'est pas possible d'être aussi méchant. Enfin au moins dans ma vie, j'ai pas encore vu de grand-mère à ce tel niveau de méchanceté. Mais au début du film, on l'aime pas du tout parce que déjà, comme je vous disais, elle tue sa nurse, donc on peut avoir que de la haine pour cette grand-mère. Et au fur et à mesure que le film avance et qu'on a des droits, des punchlines et des gags vraiment très très bien écrites, on finit par s'attacher à cette grand-mère. Donc on se dit bah tiens, qu'est-ce qu'elle va encore faire, qu'est-ce qu'elle va encore trouver comme saloperie pour rendre malheureux tous les personnes qui est autour. Parce que d'une part le film est très très bien réalisé, très très bien écrite, et aussi très très bien joué par les comédiens. Donc on finit par s'attacher à cette grand-mère détestable. On s'attache très rapidement aux petits-enfants, donc qui eux sont vraiment malmenés par cette grand-mère. Donc c'est une comédie qui est vraiment très très bien écrite, c'est ça. Donc on était encore dans les années 90, donc au moment où les comédies étaient encore à peu près potables, pour moi en tout cas, parce que je trouve que depuis ces 20 dernières années, les comédies c'est plus vraiment ça, vraiment ça s'est vraiment cassé la gueule en termes, voilà, j'ai rien contre les Tuches par exemple, ou contre les films de Danny Boone, mais franchement c'est franchement pas terrible quand même. Voilà, on écrivait quand même un petit peu mieux dans les années 70, 80 et 90, et donc au milieu des années 90 ou début des années 90, on en voit encore de très très bonnes comédies grâce à Étienne Chatiez, mais aussi à des Jean-Marie Poiret avec Les Visiteurs. Donc tout ça c'était encore potable, mais après ça s'est méchamment gâté avec les comédies fin 90, début 2000. Et franchement, Tati Daniel, les gens parmi vous qui connaissaient absolument pas Tati Daniel, je ne peux que vous recommander ce film parce que c'est vraiment très très bon. Encore une fois, Talia Shelton, excusez-moi si j'écorche son nom, est vraiment excellente dans ce rôle de grand-mère détestable, vraiment, mais elle est extraordinaire. Alors elle a dû gagner le César à l'époque. Alors je sais pas, hein, voilà, je me trompe peut-être, elle l'a peut-être remporté. Je vous le marquerai en bas de l'écran si elle a eu le César ou non, mais je crois qu'elle a été nominée au César. Et franchement, c'est une comédie qui est vraiment très très bonne. Voilà, elle se laisse regarder, elle dure 1h40, on voit pas du tout le temps passer. On a que des gags à répétition, mais qui sont écrites, mais c'est vraiment de l'orfèvre. Voilà, et pourtant, comme je vous disais, je suis pas un grand grand fan d'Étienne Chatiez. J'avais bien aimé La vie est un long fleuve tranquille, qui était une comédie dramatique, mais vraiment très très bonne. Le Bonheur est dans le Pré était aussi sympathique, mais bon, j'étais beaucoup moins fan de Tanguy. Pourtant, c'est un film qui avait eu un très très bon succès à sa sortie, mais voilà, j'étais resté un petit peu de marbre devant Tanguy. Mais Tati Daniel est de loin pour moi son meilleur film, parce que c'est vraiment excellent. Donc, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est ruez-vous sur la comédie Tati Daniel, parce que c'est excellent. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si vous connaissez Tati Daniel ou si vous comptez le voir. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.